Je vais vous présenter l'efficacité du nouveau pistolet laser métallique rutilant de Bender. Cette nouvelle arme me semble très efficace car quand vous allez toucher un adversaire, vous allez lui infliger 13 de dégâts. Mais si vous tirez en continu et que vous visez bien l'adversaire, ça va vite monter dans les 100-150 de dégâts. Vous allez faire des kills assez rapidement et assez facilement. Faut juste avoir un bon shoot. Alors pour obtenir cette arme très facilement, vous pouvez aller parler au personnage Bender qui se trouve en dessous de Mega City et qui vous propose le pistolet laser pour 600 lingots d'or. Ce qu'il faut savoir avec cette arme, c'est que vous pouvez en obtenir deux, voire même plus dans votre inventaire et vous pouvez switch entre les deux armes. Donc dès que le pistolet laser est en surcharge, vous switchez, vous changez de pistolet laser et vous allez pouvoir tirer en continu grâce à cette petite astuce. Par contre, cette arme ne fait que du 7 de dégâts contre les constructions, mais comme c'est du 7 en continu, eh ben c'est quand même assez efficace contre les constructions. Par contre, il vous faudra plus de 1 chargeur pour détruire un mur en métal complètement construit. La distance max de cette arme, si j'ai bien calculé, elle est de 250 mètres. Par contre, plus vous allez toucher quelqu'un de loin, moins l'arme sera efficace. Les dégâts vont diminuer considérablement plus vous serez loin de votre cible. Donc voilà, en gros, je pense vous avoir tout dit à propos de cette arme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du pistolet laser, si vous aimez bien ou si vous aimez pas. Moi, personnellement, je le trouve assez sympathique. Et même efficace si on a un très bon shoot.